Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast de la magie. Donc le podcast de la magie, jour 6. Donc ça va être le procédé numéro 6 et on a vu hier de l'argent magique. Aujourd'hui on va parler du travail et on va plutôt parler aujourd'hui de une partie visualisation parce que ce qui est important dans le procédé de gratitude c'est aussi de visualiser ce que l'on veut ou ce que l'on a déjà, de le voir en fait, de le matérialiser dans son esprit. Donc la visualisation positive ou la visualisation créatrice, c'est l'art de pouvoir se faire des films en fait, clairement, c'est l'art de se faire des films, c'est surtout l'art de pouvoir imager avec des sons, des images, avec du goût, de l'odorat, en fait, avec vos sens, quelque chose qui n'existe pas encore ou qui existe, mais que vous n'avez pas tout de suite. Donc, dans ce procédé magique numéro 6, on va voir un petit peu comment attirer de meilleures circonstances, soit dans votre travail actuel ou dans un futur travail que vous souhaiteriez. Alors, ça va être très simple aujourd'hui, ça va être très court comme procédé numéro 6. Déjà, on va répéter les premières étapes du premier procédé magique que l'on a vu il y a déjà 5 jours. Donc, c'est d'apprécier votre bonne fortune. Donc, pareil, ce matin, ce que vous faites, c'est que vous dressez la liste de vos 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous relisez votre liste et vous dites les 3 mots magiques merci, merci, merci. En éprouvant le plus d'intensité possible sur la gratitude et sur votre bonne fortune que ça vous inspire. Voilà. Aujourd'hui, alors, pendant que vous serez au travail ou chez vous, vous imaginez qu'un superviseur invisible vous suive et prenne note de tout ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude. D'accord ? Vous imaginez que vous avez quelqu'un derrière vous qui va prendre note de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez éprouver de la gratitude sur votre travail. Donc aujourd'hui, votre tâche, ça va consister à souligner le plus grand nombre possible de choses qui vous inspirent de la gratitude dans votre travail. Ensuite, vous allez faire en sorte que votre superviseur invisible prenne note de chaque chose qui vous inspire de la gratitude en disant « J'éprouve énormément de gratitude pour… » Et là, vous donnez la chose qui vous inspire de la gratitude. « J'éprouve énormément de gratitude pour… » Je sais pas, le travail que j'ai actuellement. « J'éprouve énormément de gratitude pour le fait que j'ai du travail pendant cette période anxiogène. » J'éprouve énormément de gratitude pour le fait que je me sente bien avec mes collègues, etc. Et vous mettez le plus d'intensité possible dans ce sentiment. Et en fait, c'est tout pour ce procédé numéro 6. Juste d'avoir un travail magique pour que pendant votre travail, vous puissiez être concentré vers des choses positives et qui vous donnent de l'enthousiasme. Et ensuite, avant d'aller au lit, vous tenez votre caillou magique dans une main. Et vous dites le mot magique, merci, en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà, donc c'était juste ce petit procédé magique aujourd'hui, très simple sur un travail magique. Voilà, comment attirer du positif dans son travail pendant une période de travail, pour attirer pareil un travail positif et magique. Demain, ce que nous allons voir pour le procédé magique numéro 7, c'est éliminer la négativité comme par magie. Alors vous verrez ce procédé, c'est assez complexe et assez sympa pour justement éliminer une situation négative en un claquement de doigts, en éprouvant un maximum de gratitude. Voilà. Donc j'espère que ces podcasts vous plaisent. Moi, je prends du plaisir à le faire, c'est ça qui est cool. On est déjà au procédé magique numéro 7, il nous reste encore 20 procédés magiques. Vous allez voir, il y a plein de choses. Je vous invite à les réécouter si vous n'avez pas encore bien assimilé les précédents procédés et à vous abonner pour suivre les prochains podcasts et les prochains procédés, les prochains jours sur ce livre La Magie et aussi pour voir d'autres podcasts qui arriveront dans le futur. Voilà, donc je vous fais à tous de très très gros bisous et puis je vous dis à demain pour le procédé magique numéro 8. C'était Vince. Bye !